Jeudi, c'est mercredi 7 décembre 2022. Et titre leçon pour jeudi, c'est Nécromancie et culte des ancêtres. Gros mot, gros thème. Y'a le frère Jorab Etienne, fait mes yeux baisser tête tout, en nous prier ensemble, papa bon Dieu. Seigneur, papa, nous qui avons dans le ciel, yo, merci. Chaque jour, faut que nous disons merci pour l'amour, pour la compassion envers nous. Merci, papa, parce que vous avez aidé nous grandir. Vous voyez pour nous, ça fait nous grandir, pour nous paraître chrétiens cocobé, pour nous paraître chrétiens rabbi. Merci, papa. Seigneur, t'en prie, aidez-nous, ouvrez l'intelligence pour nous comprendre l'enseignement. Ça yo. Nous ne connaissons pas facile lorsque nous avons pile temps, nous avons des choses et puis brusquement pour nous changer. Nous ne connaissons pas facile. Mais t'en prie, aidez-nous à accepter la vérité et marcher dans la vérité. Fais-nous grâce. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Bonjour, bonsoir, amis. C'est un plaisir pour nous ensemble avec vous une autre fois encore pour nous continuer à étudier ensemble parole bon Dieu. Alors, pas oublier, semaine ça, on a étudié 11e leçon dans le questionnaire ça. Leçon 11 qui vient pour titre, les séductions de la fin des temps. Leçon 11, les séductions de la fin des temps. Verset, on a médité sur lui pendant toute semaine ça. Nous trouvons dans 2 Corinthiens 11, verset 14-15 qui dit, et cela n'est pas étonnant. Puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière, il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Zamim, c'est toujours avec que nous remplis avec joie chaque fois nous croiser ensemble avec vous. Chaque jour, nous croiser ensemble avec vous pour nous étudier parole, mon Dieu. À nous dire, mon Dieu, merci, merci, merci en pile, papa. Et au même, nous ne pouvons pas dire merci parce que là, chaque jour, avez étudié vraiment en pile. Merci, merci, merci parce que vous choisi étudier parole, mon Dieu. Bon Dieu, content. Bon Dieu, content. Monsieur, bon Dieu, content. Alors, hier, nous avons étudié une belle petite leçon. Une très belle petite leçon qui c'était la réincarnation. Ah, on ne dit pas de quoi sa réincarnation y est. C'est sûr qu'on y a, ou comprend, ou qu'on est, ou qu'on explique au monde. Parce que c'est objectif, c'est ça. Ou étudier, non seulement pour vous, mais pour aider l'autre monde comprendre. Un monde qui pas comprendre, maintenant, ou expliquer sa bagala y est. Et puis, ou aider le comprendre. Un monde qui te koué, non bagay, qui pas biblique, ou bal, ou ve bib ensemble avec ou chita, ou ve la bib, ou dit, mais, maintenant, moun nan comprendre et cet esprit pour agir dans la vie moun sa pour le capable choisir, suivre ça, bon Dieu m'a dit. Alors, je dis, c'est une autre belle partie leçon encore. Nécromancie et culte des anges. Qu'est-ce que ça, nécromancie, yé? Nécromancie. Alors, dans la leçon, on dit, nous, mon nécromancie, li sorti dans deux termes grecs, qui c'est nécros, qui veut dire mort, et mantea, qui veut dire divination. Pratique, son bagay moun yo a fait depuis longtemps, depuis l'Antiquité, qui s'allie, consulter mort. Nécromancie, on veut dire consulter mort, aller les morts, aller regarder, mon enfant mourir. Maintenant en Haïti, mon yo bon dans bagage ça, à demander un tel boulebolette qui était mort déjà. Alors ça qu'on est passé. Mon yo mais c'est même question et l'âme est immortelle là. Mon yo mettez dans tête yo, mon qui mourir, li dans paradis, mon qui mourir, li dans liberté. Moun ki mouri an li yon côté comme si li wè tout bagay, li connaît tout bagay. Mais dedans c'est nan objectif ça yal mande moun nan. Yal mande moun nan ça yal mande li yo. Et je dis nous pral wè c'est pas des pratiques la Bible approuvé. Question ou al rele esprit yon moun ki mouri comme si esprit moun nan toujours là, li lansman avec nous, gade m pral mande l pou m ka fè nous konnen sa k pral passé. Parce que le plus souvent yo met nan tête yo moun sa konn sa k pral passé parce que li wè pi loin passé yo, li gade li non l'autre monde et puis yal mande l pou expliquer yo sa ki pral passé. Nous pral wè la Bible kont bagay sa et culte des ancêtres là qui s'allie son l'autre forme encore côté moun nan gen parent ki mouri et grand-parent, papa, grand-papa, grand-grand-papa, yo considérer moun sa
toujours fait partie de famille, c'est-à-dire moun nan pa mouri, li pa la physiquement mais li la en esprit ensemble avec yo. C'est-à-dire yo ka toujours le gon gros décision pour prendre en famille, y a consulté, des fois yo fait culte pour li pour yo honorer le yo fait des cérémonies pour yo capable honorer moun sa yo comme si pour dire merci parce que yo toujours accompagné yo dans tout ça y a fait, comprendre dans toute décision que yo prend. Alors kite mzou zanmim bagay sa yo pas marcher coller avec sous mon bib nan men ou pas cap a faire bagay sa yo ou pas cap utiliser pratique sa yo parce que la Bible dit les morts ne savent rien. Moi yo pas connait rien cap passé rien même et kidem zon bagay le son. Alors et auteur questionnaire là kidem li sa auteur questionnaire avité parce que moi même il dit ces pratiques païennes peuvent être très attrayantes pour ceux qui croient en une âme immortelle et qui ont perdu des proches. Alors, ou d'accord avec n'importe moun qui croit que lorsque moun nan mouri, nam li toujours là. OK? Et si ba ça yo a tiré, c'est comme si elle fait cérémonie pour honorer ancêtres qui mouri yo, OK? Pour dire merci pour accompagnement yo ba yo ou bien et al rele al mande mort boulbolette ou bien al mande mort a sal wè sal pense. Alors bien entendu esprit a moun ki kwen nan immortalité de l'âme nan yo et ba ça pral ale yo quand même sou kretyon kwen nan immortalité de l'âme moun nan pa mouri ou kal consulter moi parce que moun yo c'est pas moi consulter pour yo c'est esprit moun nan kap vive toujours c'est avèl y a le parler. Alors nan la Bible même sur internet la dernière fois m'a passé son vidéo on a qui dit son gros savelier l'a expliqué il dit la Bible dit il écrit dans la Bible Saül tal relé Samuel qui t'est mouri Saül la Bible dit Saül t'est parlé avec Samuel ça veut dire pas aucun problème dans ça nous ca consulter Timon nous frère chers amis faut que nous très prudent ça n'a regarder sur internet yo faut que nous très prudent et puis moi pile chrétien partager. En plus, le chrétien partage lui. Parce que, yo même, yo pas étudié la Bible. OK? Anouli, je dis à la leçon, je dis à yo bay nou exactement texte ça, pour nous, comme texte, yon nan texte leçon, je dis à, maintenant, vous pouvez bibou ensemble avec moi, dans 1 Samuel 28, tout 1 Samuel 28 là, expliquer l'histoire là. Mais on connaît nous pas grand pile dedans, nous pas qu'à faire vidéo ça trop long, quittez-moi et essayer de résumer le pour. Alors, et Saül, c'était roi en Israël, c'est premier roi Israël te gen. Époque Saül te roi, moun ki te prophète l'Éternel, c'était Samuel. Maintenant Saül, c'est bon Dieu qui t'a choisi Saül même, Saül t'a bien dirigé, tout bah t'a bien marché, il t'a fait ça qui dans volonté bon Dieu et puis brusquement le choisi fait ça le il choisi fait ça il pas consulté bon Dieu encore, comprendre bon Dieu dit à gauche, il fait à droite, il choisi fait ça le et bah il a commencé à aller mal pour lui. OK, bah il commence à aller mal pour lui et c'est là bon Dieu rejeté Saül, il choisit David qui était il fait Samuel à loin David, ça une histoire qui longue, Samuel aller là loin David tout petit, David pour côté même David fin loin, on paquet de temps passé avant le vinoir. Maintenant Samuel vient mourir. Bon Dieu t'es gétan rejeté Saül, roi Saül pour ça l'a fait qui pas bon. Maintenant lorsque Samuel vient mourir, Philistin yo a arrangé pour attaquer Israël, Saül roi. Mais chaque fois comme si peuple Israël va dans la guerre ou une nation qui attaque, il toujours à consulter prophète là, prophète bon Dieu pour prophète là dire regardez qui ça pour faire. Mais de plus que Samuel mourit, Samuel pas là et monsieur ça commencer peur bay tête des problèmes. Mais faut que moi dire peuple Israël là lorsque rentre Canaan, yo pas te fin prendre toute Canaan net. Il y a l'autre peuple qui t'a vive Canaan. Maintenant l'autre peuple ça yo pas te quoi dans Dieu d'Israël, yo te gain une série de pratiques bon Dieu pas te d'accord. Par exemple consulter mort, par exemple aller na affaire nous en Haïti nous ka di moun nan mambo gen bay gen se de bagay bon Dieu pa prend plaisir là-dedans. Maintenant bon Dieu te dit peuple là lorsque nous rive Canaan même les nous l'autre monde a fait bagay ça nous même pas rentrer là-dedans. Mais peuple là c'est peuple Israël là c'est peuple qui très têtu. Maintenant en pile na yo te rentré nan affaire invoquer mort na affaire al consulter mambo faire magie bon Dieu te compte ça et dans Lévitique qui t'aime garder pour dans Lévitique 19 verset 31 t'ai une loi qui t'est passé pour te tuer tout mambo tout monde qui t'a pratiqué genre de bagaille ça yo ou gamambo qui t'ai gain pour te lapider yo tout ou bien pour te quitter ville là. Maintenant
à pile nan yo te mouri et genao reste te quitté ville. Lorsque ça il ouais c'est tout bon garder l'armée philistine pour l'attaquer. Li bouquet contacter bon Dieu pas jamais répondu parce que bon Dieu te qui t'a rejeté. Il pa gen Samuel pour le contacter, il pa gen prophète Samuel qui pour dire ça pour le faire maintenant choisi à le consulter yon mambo. Loi a décidé maintenant roi Saül il décidé regarder couvrir tête li là masquer on col masquer colon Jean pour pas recer li et puis il fait serviteur li à lavel à consulter un mambo. Alors moi dit mambo dans la créole là pour comprendre mais dans français gros français assez divinatrice yon divinatrice c'était si gain en dandor. Alors bien entendu moun ka étudier ensemble avec moi longtemps qu'on est nous faire leçon ça pour même moun qui pas comprendre gros français pour yo comprendre leçon ça clair et pour yo ka expliquer l'autre moun li. Maintenant Saül doit Saül décider masquer couvrir visage li aller l'el rive devant Mamboa dans verset 9 là Mamboa parle ensemble avec lui Mamboa dit ou connaît moi quoi ou connaît que Saül garde frère saute son loi là pour tuer tout moun ka invoqué mort pour faire ou quitter pays hein. Puis gars c'est tu vinn faire ou tuer moi là non. Puis gars son piège ou vinn tendre pour moi là non. Dans verset 11 là, 1 Samuel 28 verset 11, la femme dit qui veux-tu que je fasse monter? Et il répondit fais-moi monter Samuel. Mamboa dit wa Saül qui sort qui mon voulait me faire paraître. Et wa Saül dit fais Samuel monter. C'est Samuel moi veux ouais. Et verset 12, lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri. Et elle dit à Saül, pourquoi m'as-tu trompé? Mamboa saisi, c'est tant que Mamboa commence à trembler, elle c'est Saül qui devant là. Pour qu'il soit venu prendre un piège, ça, Saül n'a pas besoin de peur. Pas besoin de peur. Regardez, mais Saül était en juré à Mamboa que le pape fait là, il était juré. Il dit, ou pas besoin de peur. Ou pas besoin de peur. Ne crains pas. Dis-moi ça, ouais. Ou pas besoin de peur. Et puis, Mamboa dit, et Saül, comme ça, la femme dit à Saül, je vois un Dieu qui monte de la terre. Verset 14, il lui dit, quelle figure a-t-il? Et elle répondit, c'est un vieillard qui monte et il est enveloppé de manteau. Et, mais ça me remet. Saül comprit que c'était Samuel. Et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Saül pensait c'était Samuel. La Bible pas dit Saül ouais Samuel non. Lorsque dame nan dit mais ça ouais mais comment lié Saül pensait c'était Samuel. Mais bon zon bagay. Et demi intelligent. Saül il gétan connaît ça Saül vin chercher. Et il a pouvoir pour le faire Saül comprendre que ça ouais c'est ça le besoin même. Est-ce que vous comprenez? D'après où vous pensez, son lot li tapoué. En Haïti, nous contendez, moun yon parlé de tab toune. Yon al nan tab toune. Moun nan pralé avec yon idée nan tête li. Li getan konne sa l'wal cheche. Et des fois, l'parle, ça t'a pas konne pense ou, mais l'on parlé avec ou moun. Li konne. Li de bien pas konne pense ou, mais li suive action. Li suive comportement ou. Li suive son parlé à tout moun. Pour le faire tende exactement, son vle tende ya. Pour le faire oué exactement, son vle oué ya. Frère, zaman bam zon bagay. La Bible condamne bagay sa yo. Bam zil la français parce que moi m'pa konn tout sa yo di yo, peut-être gen moun ki ka konnen yo. La Bible déclare très clair que tous les devins, médiums, sorciers et nécromanciens, toute pratique sa yo en abomination avec sa bon Dieu mandé. Et nan mitan peuple Israël, nan mitan peuple bon Dieu, pas doué gen place yo. Et jodi an ces mêmes gens, nan mitan peuple bon Dieu, pas doué gen bagay sa yo. Lorsque gon problème, pour ton mambo, ton ougan pour aller, écoutez bon Dieu pour aller zanmanm. Parce que ouais, moun ki chef, alors être ki chef mambo, ki chef ougan, nan présence bon Dieu, c'est tête à tête rete. Il pa ka cramper non nan présence bon Dieu. Même là yo té 10 000, 15 000, 20 000. Depuis bon Dieu paraît tout fait bac parce que yo pas qu'à résister devant. Maintenant le gros problème côté être qui fait tout ti bay tête en bas courir et côté le pour aller qui demeure bagay fait ça fait Saül ouais c'est Samuel qui devant ça son petit bagay petit pour être parce que il a tout pouvoir mais qui demeure bagay ça me veut ouvrir petit parenthèse ça pour les puissants mais pas tout puissant. Ouais, la question omniscient, omnipotent, omniprésent, c'est seul bon Dieu qui a tout côté en même temps, lui-même il pas capable. Lui utiliser agent, lui mauvais ange lui, mais lui-même il pas capable.
Il a dit gain limite, li limité. Mais les gars, pile pouvoir et lui même osé prédit lui même osé prédit la mort au Saül. Il prédit en façon pour le dire que l'âme est immortelle, demain on va pas même. Il pas dit l'a mourir, on va pas même, c'est-à-dire l'a vive toujours. Ouais, ça me dit l'a vive toujours, même parole l'a continuer. Même menti en continuer parce que c'est lui qui met lui. Où est-ce que crever Saül là? Saül était condamné bagage ça, maintenant c'est lui qui la donne. Ou comme ça me comprendre, gagne une série de chrétiens en pile fois c'est yo calé côté ça qui pas ta doué aller et l'on aller ou allant bagage dans tête ou gon bagage ou besoin ou gon bagage ou chercher la ba ou j'ont besoin là parce que lui connaît son besoin et il a pouvoir pour le faire on sait de bagage d'ailleurs ou aller à la foi ou que ou joindre ça ou chercher là depuis le pouvoir ou joindre lui il gagne pile pouvoir et pour finir après bagage ça fin passé. Des siècles plus tard, prophète Esaïe t'a parlé avec mon yo et ça te dit yo m'vle dire le matin. Si l'on vous dit consultez ceux qui évoquent les morts, si on monde doit aller kaougan, aller kamambo et ceux qui président l'avenir, comme si on monde doit checker moun sa yo pour connait ça pas arriver ou assurance son bail quelconque, répondez. Un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? Yon chrétien, c'est pas bon Dieu ou doit consulter. S'adresse-t-il aux morts en faveur des vivants? Yon chrétien, c'est mort ou al côté pour ka fon bagay pour vivant? Qui sa mort ka fait pour vivant? Eh bien, à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Si nous pas garder, si ça ou a fait, li pas en accord avec la Bible en même ou dans fait noir. Sou wè l'église la faire s'il pas en accord avec la Bible ou nan fait noir soit décider faire si li pas en accord avec la Bible la loi et témoignage j'avais dit la Bible moun yo te gen nan époque là s'il pas en accord avec ou nan fait noir et debout nan fait noir debout nan fait noir pas nan lumière là fait gros fait noir ka manjo gros fait noir ka fait ka finance amavo et ça fait quitter fait noir vide nan lumière en pile fois et sur le coup d'émotion stress peur faut faire une série de bagailles faut faire une série de bagailles ou pas t'ab jamais fait garder les amis retourner venir reconnecter dans la prière obéir à sa bon Dieu mandé étudier parole bon Dieu chanter sous canal là nous grand pile chanter pour capable garder nourrir spirituellement étudier parole bon Dieu et puis comme ça la foi a augmenté la foi a grandi lorsque ou grand problème ou mettre à genoux pour prier ou pas aller dans consulter mort parce que les morts ne savent rien bamzo baron a qui est m'a parlé non même sentiment parlant mon nuit sentiment parlant mon baron est ça avou mais si ça avou m'a parlé pas fait tête du zan même mande bon Dieu pardon abandonner bagay ça parce que li gen gros plan pour vous a fait consulter mon qui mouri consulter grand parents bagay ça pas en accord avec la Bible n'attend nous demain si Dieu veut c'est personnification des autres apparitions. Il y a une autre belle partie leçon qu'on pas rater pour un bon jour. Ouais, leçon important hein. Ouais, leçon méritons j'aime. Ouais, elle méritons j'aime, ah oui. Ouais, elle méritons partage. Ouais, elle méritait pour inscrire sur beaucoup d'inscrit. Fais ça qu'on y a. Pendant on va baisser tête tout fermer yeux à nous prier ensemble. Papa bon Dieu Seigneur. Merci papa. Merci pour parole aujourd'hui. Hein. Merci pour message aujourd'hui. Hein. Merci pour lumière ça vous voyez dans la vie nous aujourd'hui. Vous voyez dans la vie amis ça aujourd'hui. Hein. Papa t'en prie aidez-nous à embrasser lumière ça et puis rester là-dedans jusqu'à ce qu'on retourne ou bien jusqu'à ce que nous mourions. Fais-nous grâce. Nous prions au nom de Jésus. Amen.